Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Ce stade est magnifique. Et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants. Le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer. Pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc. Et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est le moment de l'hymne national suisse. Sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe, parce qu'il risque d'être un peu seul. On va voir ce que nous réserve ce match. Mais il faut essayer d'être plus dangereux. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Seferovic. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez... Seferovic a tout donné. C'est joué long. Il s'impose physiquement dans ce duel. Pour Alfredson. Loin devant. La Suisse qui essaie de construire. Long ballon dans le sens du jeu. Et ce ballon vers ses attaquants. La passe interceptée. C'est reparti, ils peuvent contrer. Échappe côté droit et il tombe sous la pression. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Il tente de la jouer dans l'espace. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Oh, le bon ballon. C'est joué long, attention. Il est tout seul. Il frappe et un but. Splendide. C'est un but phénoménal. Oh, le lob. Quel geste. Quelle inspiration. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'œil. Quel toucher. Attention! Oh, c'est un arrêt important, ça! Oui, quelle intervention!
action. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. La tête, ça rentre. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là, quelle efficacité. Très bon corner, et évidemment il en a profité. C'est bien joué ça, super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. L'Islande qui peut avancer. Allez. Bon, ce jeu de passe, quel régal. C'est bien donné. Il marque. Ça pourrait être un but important. Il marque juste avant la pause. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et ils n'ont plus qu'un petit but d'avance maintenant. C'est bon. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. La seconde période, c'est parti. Bon, je vais faire un peu mon capitaine obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. En retrait vers son gardien. Le long dégagement du gardien. Il joue dans l'espace. Quelle fait du bien cette interception. Pour trouver la faille dans la défense. C'est Bailly. Stopper l'attaque adverse. Le gardien loin devant. Et cette défense d'arrêt qui continue à jouer très très bas sans prendre tout seul. Il est passé. Attention la frappe. Et l'arrêt est magnifique. C'est un super arrêt. Point une scène. À gauche. Ça passera sur le côté. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. Ça va atterrir. Ça peut être dangereux. Et ça rentre. Ils égalisent. Le match est complètement relancé. Le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? La passe dans la profondeur. Le bon dribble. Il tire. Oh, c'est au fond. Et il passe devant. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Ils ont procédé à un changement.
tableau d'affichage. L'Islande qui cherche l'étincelle. Il écarte sur l'aile. Goodmanson. Il est bien placé. Danger repoussé pour le moment. Granit Xhaka qui n'a pas cédé dans ce duel. Ça joue long vers l'avant. Il relance côté droit. Goodmanson, bien servi sur le côté. Un peu d'air. Il allonge vers l'avant. Le match est presque terminé. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond défilé. Bon, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité. Il a été insaisissable. Insaisissable. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Il est passé. Il est bien passé. Oh, la frappe ! C'est sublime ! Et ça fait toute la différence. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Des matchs comme ça, on en veut encore du suspense, des actions, des buts. Néanmoins, ils s'inclinent. Alors, votre analyse sur cette rencontre? Et je trouve qu'ils ont été trop vulnérables dans l'axe de la défense. Pour moi, ce sont leurs faiblesses dans cette zone qui leur ont coûté cette défaite. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Merci, Grégoire.